tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, coloriage pour changer. Bon, souvent c'est beaucoup de coloriage en ce moment, mais bon, c'est ma série. Par contre, j'ai changé mon livre. Je suis repartie aujourd'hui sur mon livre de coloriage japonais. Celui que je vous dis que quand Amazon dit que c'est chinois, mais moi que je dis que c'est japonais. Voilà. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé ou si vous le cherchez. Alors aujourd'hui, donc j'ai repris un dessin. Donc c'est normalement c'est un dessin double page, hein, mais bon pour l'instant je n'ai fait que le personnage. Donc ça va être fait en deux vidéos. Par contre, je n'ai pas fait en coloriage. Si, j'ai utilisé des crayons de couleur. Mais je n'ai pas utilisé mes crayons de couleur de d'habitude. J'ai sorti ma boîte de Zenacolor. Voilà, c'est vrai que j'utilise, pour ainsi dire, jamais. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois, cette boîte. C'est les Zenacolor, donc c'est les crayons aquarellables. Voilà, et c'est vrai que je n'y pense jamais. Je ne pense jamais à sortir cette boîte et à m'en servir. Et du coup, ben aujourd'hui, j'ai dit, ben, allez, hop, on la sort. D'ailleurs, vous verrez au début de la vidéo, je vous la montre, vous verrez, ben, les crayons sont, pour ainsi dire, neufs. Donc, je voulais faire, donc, ce que j'aime bien sur ce livre-là, faire des couleurs un peu pastel. Je ne veux pas faire des couleurs assez vives sur ce livre-là, puisque... par rapport au dessin, je trouve que ça n'irait pas. Et là, bon, l'aquarelle, c'est ce qu'il faut pour ce genre de dessin. Donc là, bon, les crayons, vous verrez comment je m'en sers. Donc je me sers avec une palette de peinture. Bon, on peut s'en servir soit avec, vous prenez une pochette de plastique de classeur, hein. Vous pouvez prendre un carré de carrelage. Vous pouvez prendre un petit morceau de vitre, enfin tout ce que vous voulez, pour mettre votre crayon dessus et le mouiller comme de l'aquarelle. Et moi là, bon, j'ai sorti ma palette de peinture tout simplement et ça allait très bien. Je voulais pas, j'avais un carrelage ici dans mon atelier, mais bon, comme j'ai fait en bas, je voulais pas monter mon carrelage. Donc bon, ça allait très très bien et je m'en suis très bien sortie, même avec ma palette de peinture. Donc voilà. Donc quand c'est comme ça, les crayons aquarellables, donc vous mouillez un peu votre surface et vous passez votre crayon. Faut pas passer le crayon directement sur le dessin et mouiller après, parce que ça n'ira pas. Vous allez avoir des traces, des traces de crayon. Donc, il faut faire le crayon d'abord sur votre surface lisse, et vous faire comme une aquarelle, et après venir poser la couleur sur votre dessin avec le pinceau. C'est ce qu'il y a le mieux à faire. Voilà. Donc, de toute façon, vous verrez dans la vidéo comment je fais. Et puis, donc là, j'ai dit, comme je vous ai dit, je n'ai fait que le personnage pour l'instant. Là après, bon, il me reste à faire donc ce qu'il y a sur les côtés. Donc c'est des branches de cerisier. Il y a un peu des rochers, un petit peu. Donc il y a juste les branches de cerisier, les rochers, et puis bon, peut-être faire un petit semblant de fond pour améliorer un peu le dessin, c'est tout. Donc voilà. Donc je réfléchis encore. Si je fais à l'aquarelle les branches de cerisier, ou si je vais les faire avec autre chose, je vais voir. Peut-être que je les ferai au feutre aquarellable, au lieu de les faire au crayon aquarellable. Je vais voir. Je vais réfléchir encore jusqu'à demain. La nuit va porter conseil. Je verrai, ou je le ferai peut-être avec mes Zenacolor. Hein. Je verrai bien. Puisque là, bon, c'est quand même des plus petites surfaces.
Donc, je verrai, à moins que je fasse carrément au crayon de couleur simple, je sais pas, je ne sais pas encore. Donc, on verra ça demain. Ce sera la surprise sur la prochaine vidéo. Vous verrez comment j'ai terminé mon dessin. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ben, ce sera tout. Voilà. Je vais vous laisser visionner donc cette petite vidéo. Je dois encore vous préparer la vidéo surprise que je vous ai dit il y a quelques jours que j'ai une vidéo surprise à vous faire. Donc elle va arriver. Alors là, on est quoi? Mercredi, je crois. Donc je vais essayer de vous la faire pour que vous l'ayez ce week-end. Ouais, normalement, je pense que je pourrais vous la faire. Et puis voilà. Comme ça, parce que je sais que vous aimez bien les vidéos surprises. Et donc, je vais essayer pour vous la mettre en ligne ce week-end. Là, j'ai une autre vidéo qui est déjà montée et qui attend d'être mise en ligne, mais je ne peux pas la mettre maintenant. Parce que ce qu'il y a dans la vidéo doit arriver chez quelqu'un. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas la mettre en ligne avant que ce soit arrivé chez la personne. Donc, là, vous aurez cette vidéo-là aussi, qui est déjà, je vous dis, qui est déjà montée. Je n'ai plus qu'à la mettre en ligne sur YouTube. Et je disais, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Je ne sais plus si je voulais expliquer, je sais que je l'ai expliqué à une amie sur Facebook pour le Keeling. Alors, je me suis aperçue que le kit que j'ai acheté, enfin pas acheté, que j'ai eu en partenariat avec la société Gutfeld, j'ai pas de problème hein, avec le kit. Il est nickel chrome, hein, voilà, il n'y a aucun problème. Là, je l'ai commencé. Mais bon, il est très 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 long à faire. Donc, comme vous êtes presque beaucoup d'entre vous dans les commentaires sur la vidéo de présentation, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas le Keeling et que vous vouliez voir ce que c'était, comment on faisait, tout ça. J'ai décidé plutôt de vous faire une vidéo Keeling, mais avec un modèle beaucoup plus simple que je vais télécharger moi-même sur Internet. Il y a des modèles libres de droit, hein, gratuits, qu'on peut télécharger. Donc, je vais en télécharger un, donc gratuit et beaucoup plus simple, qui me permettra justement du coup de mieux vous expliquer comment on fait du keeling, comment on fait les pliages, comment on enroule, comment on fait la fleur par exemple, comment voilà. Parce que là le poisson, il est vraiment extrêmement long à faire. Pardon. Il est très très long à faire et ça va être très très compliqué de vous expliquer sur ce modèle. Donc, par contre, ce modèle, vous allez le voir, mais du coup, pas en vidéo. J'en ferai d'autres hein, en vidéo, mais j'en ferai des plus simples en vidéo. Parce que du coup, j'ai vraiment pas pensé qu'il allait être aussi long à faire. Mais j'en ferai d'autres aussi en vidéo. Mais celui-là, je vais vous le présenter une fois terminé. Voilà. Là, je suis en train de le faire, mais directement sur un canvas. Hein, donc, un canvas, c'est une toile tableau. Donc, je vais vous le présenter comme ça. Et je vais vous faire les tutos avec un modèle, un ou plusieurs modèles, beaucoup plus simples. Ce sera plus facile pour vous donner des explications et pour que vous puissiez comprendre mieux. Voilà. J'espère que ça vous ira. Et que vous trouvez mon idée meilleure que justement pour que vous puissiez mieux comprendre les explications pour le Keeling. Voilà. Sinon, rien de neuf, rien d'autre pour l'instant. Bon, il y a d'autres vidéos hein, qui doivent arriver aussi, que je dois filmer, que je dois monter. Mais bon, j'ai toujours plein de choses à faire. Mais j'essaye là, ce week-end, de vous faire la vidéo surprise. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. En attendant, là, ça y est, je commence à avoir un petit peu de monde sur le groupe de coloriage.
C'est super. Donc, si vous voulez venir sur le groupe de coloriage, allez-y. Le lien, blablabla, je parle trop vite. Le lien est en barre d'infos. Donc, venez nous rejoindre. Tous les 15 jours, je fais un défi de coloriage. Et puis, on papote hein, sur le coloriage, sur les crayons, sur les livres de colo. On partage nos coloriages. Voilà, si vous avez besoin de conseils dans le coloriage, pourquoi. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut dans le groupe. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre et rejoindre les copines qui y sont déjà. Et vous pouvez venir avec vos copines également. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous laisse visionner cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.
Thank you.